Voilà, Tom, départ Saint-Moritz, 1815 mètres, moins 3 degrés, la pluie, heureusement, la forme est là, parce qu'avec des jambes fatiguées, ça aurait été dur aujourd'hui. Ouais, le problème c'est que la forme elle est là, mais juste là-bas en fait. Bon, bah, la stratégie d'équipe, c'est qu'on a un véhicule, donc un Hundisu qui est donc de la vallée du Tichuan. Bon, là, on a quelques problèmes de fabrication actuellement, mais ce véhicule va tenter, n'est-ce pas, de renverser à peu près 6 cyclistes sur 7. Tous ceux qui n'auront pas d'autocollant Made in China sont en danger de mort imminente, n'est-ce pas, puisqu'il va y avoir du taillage de short, puisque le directeur sportif aujourd'hui est dans le camion. Je vais voir si quand tout le monde a accepté un autocollant Made in China. Je pense que c'est plus prudent. Et pour répondre encore à la question tout à l'heure, si vous cherchez des autocollants, si vous en voulez, il y en a partout dans l'auberge de jeunesse de Zurich, et également vous en avez sur tous les platanes, sur tous les panneaux. Depuis à peu près, depuis la France, hein, vous pouvez suivre notre chemin tranquillement. Made in China est partout. Donc si vous voulez des autocollants, il n'y a pas de problème, vous en avez. Alors, voici un autre représentant de la braise. Un représentant qui m'a dit tout à l'heure dans l'oreillette qu'il souhaitait gagner au moins deux des quatre cols de ce matin. Pourquoi pas, on va voir un petit peu comment se présentent les profils. Bon, au-delà de 8%, je bloque un peu, donc il faudrait que ça soit en dessous. Quoi. La forme est là. Bah là ce matin la nuit a été mouvementée, pas assez de dodo, mais tout au bluff comme d'hab. On va voir ce que ça donne. Très bien, est-ce qu'on laisse les Doberman en laisse aujourd'hui ou est-ce qu'on les lâche? Ah ça, la stratégie ne se dévoile pas. Notre bel organisateur, celui qui nous trouve des auberges de jeunesse à 20 francs suisses la nuit, dans une ville où à moins de 5000 francs suisses on n'a rien. Content de l'hébergement, content de l'organisation, ça se passe comme vous croyez? Ben, je pense qu'au niveau, à part la météo, je pense que tout se passe bien. Quoi. Ouais. Un peu plus dur que les Pyrénées, je pense. Ah là, ça c'est un scoop. Hein. C'est pas pour moi, hein, je parle par rapport au visage tiré des gars. Quoi. Moi, je sais que personnellement, il y a toujours pas un pet de jeu, mais quand vous regardez les yeux de chacun, j'ai l'impression que l'année prochaine, on va être plus qu'être deux. Quoi. On prend un tandem et pas de camion, tout ça on va pas regarder. Et voilà, ça c'est de l'arrogance à l'état pur, magnifique, on n'entendait pas moins de vous, on a l'épreuve maintenant. Bernina, un coup de pété de Thierry et Nicolas qui s'accroche, mais énorme Thierry. Thierry qui ne peut plus perdre maintenant, je crois. Mais c'est Alex derrière, je crois, finalement. Et c'était Thomas, en fait, donc tout faux. Putain, le panache! C'était en fait Thierry derrière, donc encore tout faux.
ferme les vaches. I'm gonna close my body now.